après la phase de conception, nous on vient évaluer ce qu'on appelle les forces et moments du pneumatique. On va récupérer ces forces et moments pour la partie simulateur qu'on va mettre sous forme virtuelle en fait dans un modèle pneumatique qui s'appelle Time Tire. Et là on va évaluer en fait le modèle virtuel sur simulateur avec un vrai pilote. Donc nous on a vraiment une pertinence qui est optimum entre la piste et la simulation. Et c'est ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'atteindre le niveau qu'on a et de pouvoir en fait faire purement du développement virtuel de manière pertinente en fait. The more preparation you can do on the simulator, you know, the more prepared you can be. We're always trying to get the tires to match in simulation as close as possible to reality. So that's a lot of the correlation, you know, getting that tire model perfect. And I think it's one of the hardest things to simulate. This black rubber is some kind of black magic. So much is done in simulation. And although we don't use a driver simulator, you know, so much work is done in simulation, like the tire development. It's extremely useful, and Michelin can provide to the teams in simulation the simulated tire compounds, the casing, so you get the same feeling in the simulator. You can get so much more done in a day on a simulator than you can at a racetrack, and it costs a lot less money in the long run. So it's very important these days. On va passer dans une phase vraiment d'industrialisation pour aller vers le pneu réel. On a 200 composants de matériaux initiaux qu'on va assembler pour faire des semi-finis. Ces semi-finis, on va les découper, leur donner des formes particulières pour ce qui est des gommes. Et on a 20 grands produits, 20 postes que l'on va assembler. Cet assemblage-là, c'est celui qu'on va amener dans le moule pour le cuire. La première chose que l'on va contrôler, c'est la sécurité. La sécurité de nos pilotes, la sécurité de nos clients. Donc ça, on doit être irréprochable, donc on a des tests pour le faire. Et puis on va contrôler ensuite les différentes performances et s'assurer qu'on est toujours homogène. Et ensuite, on a toute une partie de tests dynamiques qui vont être sur des machines où on va regarder comment se comporte le pneu à différentes vitesses, comment il se comporte avec différents angles de carrossage. C'est cette fameuse machine record qui nous aide beaucoup parce qu'elle est capable de représenter ce que l'on fait sur une piste. Elle est capable de nous apporter des informations que l'on n'aurait pas sur d'autres machines. Elle a été développée spécifiquement pour ça, tirée principalement par la compétition pour apporter des caractéristiques pneus. Mais maintenant, elle n'est pas utilisée que par la compétition, elle est utilisée par les autres lignes produits. Et c'est ce qui fait que la compétition est un laboratoire pour Michelin.